Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on installe l'aspiration sur la CNC. Bien, tout d'abord, je voulais remercier le groupe Weimer Watson de m'avoir envoyé cette aspiration. Cette vidéo, elle est sponsorisée. C'est la DC1100, ça sera une aspiration de type industriel, vous verrez, c'est avec un gros sac. Donc là, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. On va monter ça sur cette CNC, la 609 mini. Si vous avez raté la vidéo de cette CNC, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Mais pour l'instant, on va la déballer et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti! Bien, les amis, waouh, ça a l'air du costaud. Hein. C'est impressionnant pour moi parce que j'ai pas d'aspiration de ce type dans l'atelier. Moi, j'ai mon petit aspirateur que j'avais modifié. Donc là, je vais passer à la vitesse supérieure parce que quand je vois les diamètres ici, les diamètres des tuyaux pour l'aspiration, bah, ça me change. Hein. Donc là, en fait, on va continuer le montage. Mais ce que j'ai déjà remarqué, c'est que vous avez deux sorties. Comme ça, vous pouvez alimenter soit la machine ou alors autre chose avec ce diamètre-là. Donc là, on va continuer. On va faire le montage. Bien, bon, ça y est, c'est monté. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai les deux sorties ici. Une pour la CNC et une qui servira dans l'atelier. Donc là, ça y est, j'ai monté la turbine, j'ai monté le sac. Vous avez vu le filtre? Je ne connaissais pas, moi. Il y a une poignée ici, on entend. C'est des petites palettes qui viennent bouger les lamelles à l'intérieur pour faire tomber les copeaux. Comme ça, après, bon, bah, c'est un coup de soufflette, hein, comme d'habitude. Hein. Après, il faudra le nettoyer ou le changer. Mais voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démarrer une première fois pour voir un peu le bruit. Parce que c'est lancé à 80 dB, donc ça fait du bruit. Hein.
Bon, ben, je suis surpris. Ils annoncent 80 dB, mais j'ai pas les notions, moi, des décibels. Ben, ça fait pas tant de bruit que ça. Hein. Je pense que la CNC avec la fraise, elle fait plus de bruit que l'aspiration. Donc voilà. Donc là, on va continuer. On va l'installer sur la machine. On fera une coupe et puis on va aspirer. Puis on va voir ce que ça donne. Allez, on continue. Bien, bon, ça y est, cette aspiration est installée dans l'atelier. Donc, vous pouvez voir ici, moi j'ai mis sur du sans-dos, comme ça reste souple. C'est du provisoire, plus tard il y aura du rigide, on verra ça beaucoup plus tard. Donc, j'ai fait un test moi ici avec la fraise et j'ai commencé à faire quelques usinages de 3 mm de profondeur. Mais j'ai pas un copeau sur la table parce qu'avec les petites brossettes ici et à côté, ça cache bien et ça aspire super bien au niveau ici, au niveau de l'aspiration qui revient ici dedans et qui arrive là. Ce qu'il y a de bien avec ce système-là, ben, sur cette machine, on arrive, on démonte de chaque côté la petite sauterelle, et hop, on a accès à la fraise, et du coup, on peut venir changer la fraise. Moi, je voulais une nouvelle fois remercier le groupe Weimer Watson de m'avoir envoyé ce dust collector, donc cette aspiration, le DC1100. Vous retrouverez tous les liens dans la description juste en dessous. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner, enfin vous savez tout ce qu'il reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.